Alors, le projet, nous l'avons appelé tout simplement du nom du bar, le Tiwanik. Alors, Tiwanik, Ti maison, Wanik et Roanne. Il se trouve que les personnes qui tiennent ce bar-restaurant, eh bien, ils s'appellent Roanne. Donc, tout naturellement, Tiwanik, au cœur du bourg. Ce projet émanait donc de Locquiguinère Saint-Égonnec, mais n'arrivait pas à aboutir, vu la taille de la commune, 355 habitants. Du coup, la fusion nous a permis de mutualiser nos forces, et cet atout-là est devenu pour nous important, et ça a permis à la population aussi de s'approprier ce projet, vraiment. Le Tironique, c'est d'abord un lieu de vie, voilà, et on y trouve bibliothèque, poste, bar, restaurant pour groupe, pizzeria, cantine pour les enfants. C'était vraiment très atypique comme projet. Même les gens, on va dire, les plus proches, nous disaient, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous allez y arriver, qu'on va y arriver? Les difficultés, peut-être la première, c'est comment financièrement nous allons réussir ce projet. Et pour ça, on a eu l'idée de faire aussi un chantier participatif. Donc il y avait un professionnel et des bénévoles qui sont venus qui en même temps apprenaient et en même temps se sentaient utiles donc pour la collectivité. Le premier conseil que je donnerais à une collectivité ou à des collectivités qui souhaitent s'engager dans cette démarche, c'est être sûr, alors je ne vais pas dire de l'aval des habitants, mais en tout cas de faire comprendre aux habitants pourquoi on s'engage dans ce genre d'établissement en fait. Le Tiwanik, pour nous, c'est important, c'est un enjeu de territoire. Enfin, ça nous permet aussi de fidéliser comment dirais-je, les habitants autour du Tiwanik et au-delà, bien sûr, mais autour du Tiwanik aussi. Nous avons un lotissement, par exemple, qui s'est monté. Ben voilà, les jeunes, ils viennent au Tiwanik, bien sûr. C'est facile, c'est à pied.